Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Marchandise la Caille. Jeudi, c'est jeudi 17 décembre 2020. Avec un pile plaisir, nous entrons la caille au matin là pour nous porter information pour vous. Cap dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Juste avant même nous entrer dans le détail, nous avons profité le temps pour nous remercier tout le monde qui continue à être connecté sur Marchandise la Caille. Tout le monde qui continue à abonner avec nous, tout le monde qui partage et commente vidéo nous. Nous disons merci et nous demandons de continuer à être connecté parce que nous même nous là pour nous voir toutes nouvelles nous sans force porter pour nous informer ou c'est job nous c'est travail nous c'est chercher information et puis porter by toute fanatique nous tout abonné nous yo jodi à là donc gien ancienne candidate à la présidence Maryse Nassis madame Maniga et ben pour monde qui pas connaît non ça donc jodi à la sortie dans silence li sur question décret avec constitution Jovenel Moïse yo et ben Maryse Nassis la sortie dans silence li et voyons gros message piment bouc le président Jovenel Moïse qui prend un paquet de décrets presque chaque jour, un décret sorti et je dis à la donc ancienne candidate là sorti dans silence et tout profiter parler avec population pour mettre au véatif en ben gè bagay k'ap venir dans l'avenir mesdames et messieurs nous pral inviter gè plus détails quand on pral tande Maryse Nassis qui lui-même t'a parlé dans micro radio télévision Caraïbe dans journal première occasion qui passe chaque jour et ben sous antenne radio ça et je dis à te gè chance sorti dans silence li et parler avec président République là notre niveau ça mesdames et messieurs en nous entrer en dans information pour plus de détails pas oublier aller sur pas abonner liker et partager vidéo une façon pour plus monde ca informer et pour plus monde ca et ben trouver canal ça Marchandise la Caille pour ca toujours être bien informé sur tout ça qui vient pour avec information qui domine actualité dans le pays d'Haïti. Communauté internationale là et même co groupe qui finalement constaté ça y aurait les une hémorragie dans la démocratie en Haïti relatif à façon équipe sous pouvoir à gouverner Kadoa collectif ancien parlementaire dans opposition en dit au prend note sous position co groupe département trésor américain sous secrétaire d'état affaires hémisphériques là Michael Kozak exprimé sous situation Haïti là. Cependant membre collectif ancien parlementaire dans opposition dit je voulais rester vigilant par rapport à diplomatie double langage international là souvent utilisé pour traiter à Haïti. Abel Descolines, c'est une porte-parole collectif ancien parlementaire dans opposition. Nous constatons dans niveau Kadoa communauté internationale là coordonnatrice générale parti Femina Valas dans le micro Jean-Paul Lundi. 16 décembre 90, peuple haïtien, dans une unité historique, t'es levé campé contre un système pesé sous C qui arrivait dans le bout. La bataille n'est pas facile, mais nous connaissons le peuple organisé pour qu'on perde la bataille. Avec le président Jean-Bertrand Aristide comme leader, changement, t'es commencé à manifester. Nous t'es goûté contre exclusion pour participation. Nous t'es goûté contre impunité pour nous te joindre justice. Nous te goûmer contre corruption pour ressources pays te gérer notre transparence pour tout le monde te joindre parce que tout le monde c'est nous. Jeudi 16 décembre 2020, 30 ans après, bataille en marée puis raide. Force fait noyau, mettez ensemble pour continuer à fouler dignité nous en bas pied. Insécurité, kidnapping, zak assassinat, massacre, chômage, grand goût, misère et la prière, fait peuple continuer à monter au calvaire par dos. Pays en tourné en enfer. Tout le monde a vécu dans le serré. C'est chaque jour qu'il y a des gens qui sortent pour chercher la vie, qui ne retourner la caille, qui disparaît ou bien ils jouent un cadavre sur un pile fatra. Qui est l'eau à suspendre couler dans le jeu maman et papa petit? Si pas de gagner coup d'État, est-ce que c'est comme ça que les gens ont taillé? Organisation politique Femina Valas, restez fidèle à vision 16 décembre 90. Là. En bas leadership, président Aristide, comité exécutif là, Femina Valas, ensemble avec Pop Paolo, ensemble avec Jeunio qui a animé la commission, ensemble avec toutes cellules qui famille dans tout pays, qui se racine, qui va organisation, toute force,
n'a toujours là, dans bon temps, comme dans mauvais temps, pour défendre l'intérêt peuple haïtien. Famille Lavalas a continué à connaître l'action politique avec revendication peuple haïtien pour un changement total capital. Si pas de coup d'État contre Papa Dessalines en 1806, coup d'État contre Lavalas en 91, coup d'État kidnapping 2004, coup d'État électoral 2017, aujourd'hui, nous avons déjà gagné un bel, bel Haïti. Pour traiter l'année qui vient, qui a porté changement total capital là, nous avons continué à quitter l'esprit ancêtre, guidez-nous là. Va là seulement. Pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Dans le temps, pas fait pour les traites. Avenir Haïti, chita n'amène nous-mêmes, même peuple haïtien. Voilà, je nous t'apprête de lancer Madame Maryse Nassis, dans l'occasion 16 décembre 2021, qui t'a fait un panorama des batailles qui menaient dans le pays. 16 décembre 1990, 16 décembre 2020, 30 l'année déjà, depuis première élection libre démocratique qui t'a faite dans le pays d'Haïti, qui t'a mené sous pouvoir, ancien prêtre Saint-Jean Bosco, Jean-Bertrand Aristide. Démocratique qui était gourmet poli, eh ben, communauté internationale là, gagné pour que yo accompagne peuple là dans le sens de la libération de peuple haïtien pour libérer peuple là de un régime corrompu, un régime qui pas bail résultat, un régime somme toute qui gagnait de velléité pour continuer opprimer, pour continuer craser peuple haïtien. Nous croyons que communauté internationale là, les ambassades